heart is aglow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. J'avais à l'époque, je crois, c'est 13 ans, 14 ans. Et puis très vite, j'ai intégré la section ado et un peu de chez Dany. Et puis j'ai dû quitter Dany pour des raisons familiales, professionnelles. Et puis j'ai réintégré l'école d'aïkido près d'ici. Et puis très vite, l'idée est venue, on a reconnu un ami qui est parrain, mon grand maintenant, de créer un dojo et puis de rouler ma bosse avec différents professeurs, tout en allant de temps en temps aussi voir Dany et tous les autres professeurs qui m'ont créé jusqu'à présent. Et donc tu vas bientôt enseigner pour un bus humanitaire qui est le Cap 48. Alors quelle est ta raison de faire cela? Alors le Cap 48, c'est évidemment c'est un double but, voire triple but. Le premier, c'est mon enfant, moi, que j'ai depuis maintenant 12 ans. Il va sur 7-13 ans, donc il a été décelé dyspraxique à 2 ans et demi. Et puis retardé mental d'environ 2 ans. Ce n'est pas très grave, ça ne se voit pas. En tout cas, c'est ce que je me dis pour me rassurer, parce que quand on le vit en tant que parent tous les jours, c'est assez, je vais dire, difficile. Donc je me suis dit, dans le monde de l'aïkido aujourd'hui, te les vis, on en fait, Téléthon on fait, mais Cap 48, rien du tout. Donc je me devais, depuis le départ, de faire quelque chose, et qui plus est, pourquoi pas, mixer avec l'Aïkido Marathon, qui est un projet que j'ai à cœur depuis maintenant pas mal d'années, que j'ai mis au courant plein d'amis qui vont venir avec nous faire un stage, avec lesquels je pense qu'on va créer quelque chose de chouette. Et dans cet objectif-là, qu'est-ce qui te semble essentiel aujourd'hui de transmettre aux plus jeunes générations de l'aïkido? Alors si j'ai un message en tant que sensei, dans mon dojo en tout cas, c'est de faire passer un message de, bon c'est un peu utopique, mais on parle d'amour en aïkido et c'est vraiment ça. Je fais un peu kickboxing et ça me permet d'intégrer les deux, c'est-à-dire notre outil pédagogique est très très fort pour enseigner l'amour et tout ce qui est le bien fondé du respect du partenaire, le respect de l'autre. Donc, en kickboxing, on ne porte pas les coups. En aïkido, pardon, on ne porte pas les coups. En kickboxing, on porte des coups, mais on respecte le partenaire. Donc, on n'est pas là pour le détruire, on n'est pas là pour lui casser son intégrité physique. On est là parce qu'on fait un sport. Et l'aïkido est un formidable outil pédagogique pour entraîner le partenaire et amener l'autre vers un respect. Donc, dans ta propre recherche en aïkido, qu'est-ce qui a un petit peu motivé ton parcours et ton engagement dans cet art martial finalement? Alors, mon engagement dans cet art martial, il est à vie. Depuis que je l'ai commencé, je pense que je vais le terminer à la fin de ma vie, tout en faisant un passage par différentes d'autres disciplines qui aujourd'hui me manquent en aïkido, comme je parlais du kickboxing notamment. Mais sans jamais m'égarer de la voie qui est l'aïkido lui-même, qui est, comme je l'ai dit tout auparavant, le but est de construire l'autre et ne pas le démolir. Donc si tu avais un message ou une petite phrase à dire aujourd'hui aux personnes qui pratiquent l'aïkido, qu'est-ce que ce serait?
Alors, je m'adresserai à ceux qui ne connaissent pas. Ça peut paraître de la danse, ça peut paraître très complaisant, ça peut paraître plein de choses, mais venez essayer et vous verrez que oui, c'est tout cela, mais avec un plus, qui est la liaison entre deux êtres. Et ça, je crois que c'est très important aujourd'hui. Quand on fait de la danse, on est lié par le mouvement de la danse, mais quand on fait l'aïkido, on est lié par l'activité que l'on fait aussi dans l'art même. Et c'est ça qui est tout intéressant. Donc, je dirais aux non-pratiquants, venez essayer, je dirais aux pratiquants, venez à l'aïkimarathon. Par le planning, le panel des profs pardon, qui est en cours, il y en a 6, un par heure, et on a tous un aïkido qui nous est propre et qui aujourd'hui on voudrait vous montrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Clearing the sea.